Ben, shalom, shalom, prophète Joël Crasso, comme on m'a appelé le maréchal, hein, on m'appelle le maréchal de la brigade anti-sorcier. Ben oui, donc je suis à l'église de Vitry à cette date aujourd'hui, du samedi 27 juillet 2019. Je suis avec Jocelyne, propriétaire de la salle, et je pense que ça fait déjà un an, c'est-à-dire depuis juillet dernier. Voilà, et que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de raison, que nous, on est organisés en église, on a l'autorisation type V, et le prophète Crasso est toujours le bienvenu, puisque merci. Quand on entend les gens qui viennent le voir, à ma grande surprise d'ailleurs, ils me disent qu'ils viennent des États-Unis, qu'ils sont très contents, qu'ils ont eu des guérisons. J'ai même une amie qui souffrait et qui ne souffre plus. Est-ce que c'est lui ou pas? Mais c'est depuis qu'elle l'a vu. Donc voilà, c'est tout ce que je peux témoigner ici, et que tout va bien. Pour nous, on n'a pas eu de soucis, ça se passe bien. Si toutes les églises se passaient bien comme ça, chaque fois que je fais une réflexion sur quelque chose, on est plein d'obligations en France, donc tout se passe bien. Il n'y a pas de soucis avec le prophète et l'église avec laquelle il est. Et je pense que ils vont continuer, j'espère d'ailleurs. Mais oui, puisque c'est notre endroit. Hein. Depuis un an, l'église continue. Alors, c'est vrai que j'étais allé juste à une petite retraite spirituelle, mais l'église continue. Elle a toujours continué d'être là et continue toujours. Le dimanche dernier, j'étais là, n'est-ce pas? J'y serai encore demain. Voilà, par la grâce de Dieu, pour vous dire que tout va bien. Voilà, tout va bien, l'église. Voilà, donc je suis là. Je viens d'arriver de Lyon. Voilà, pour dire, je suis déjà dans la salle, comme dimanche passé, nous serons là encore par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu. Sinon, tout va bien. C'est vrai que Nevenka, moi je suis surpris. Elle ne souffre plus. Oui, oui. Elle rend un témoignage, hein. elle avait une de ses camarades, qui a eu un cancer, qui est d'ailleurs un cancer, donc elle a vu que deux fois le prophète, puisqu'après il n'était plus là, donc voilà. Mais aujourd'hui, à sa grande surprise, à la grande surprise des médecins, elle ne souffre plus. Elle ne souffre plus. Une blanche. Une blanche. Bien blanche, puisqu'elle est des pays de l'Est. Parce que souvent les gens pensent qu'on oui. On paye les gens, le monde, pour leur rendre témoignage, ils rendent compte les coups de risque. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des fous partout. Donc, et comme on disait, c'est dans toutes les races. Voilà. Pour nous, c'est grave. Hein? Ben, j'imagine. Ben, c'est ce qui met l'Afrique en retard. On aime trop nuire à la vie des autres. On aime trop détruire. On n'aime pas voir les gens avancer. Malheureusement, on n'aime pas les gens avancer. Voilà. C'est un peu toute notre civilisation qui est en train de révéler ce qui était caché. Hein? C'est un peu le signe de ce siècle, normalement. Oui, c'est un sale comportement avec l'Afrique. Voilà, c'est pas aussi gentil de cette manière de vouloir forcément nuire à la vie des gens. Ça dit, tu rêves, tout ton esprit, c'est vouloir nuire à la vie de l'autre. Il faut que je nuise à sa vie. Tu n'es pas le maître. Nous croyons un Dieu qui est le maître de l'univers. Nous savons qu'il existe. Tu n'es pas le maître de la vie de quelqu'un. Bon, bref, pour vous dire, tout va bien. Voilà, tout va bien ici. Je suis avec Jocelyne. C'est propriétaire de Vitry. Si vous voulez des salles, hein. Encore, je fais la pub aussi. Là, tu vas me payer. Là, c'est pour les mariages aussi. Parce pour, que les mariages. Pour les mariages. Pour les mariages, les anniversaires, c'est voilà. Ici à Vitry. Hein. Ça fait un an. Je me souviens que. Elle est stricte. Hein. Elle dit l'heure, c'est l'heure. On est obligé. Hein. On est obligé. On est français, donc on essaye d'avoir l'heure. Ah bon, hein. Et comme on a beaucoup de Congolais qui, eux, ont oublié l'heure, ils me disent on n'a pas d'heure, mais on n'a que le temps. Oui, c'est vrai aussi. Hein. On n'a pas d'heure, qu'on n'a que le temps. Alors, shalom, soyez bénis, soyez... On va accrocher à ton bureau, là. D'accord, si tu veux. Si vous voulez, vous pouvez venir, hein, tous les salles. Ici, tous les dimanches, nous avons un culte, tous les dimanches, de 14h. Voilà, de 14h jusqu'à 18h. On ne déborde plus, hein, c'est jusqu'à 18h. Heureusement. Avant de déborder, hein. On allait jusqu'à 22h. Avant, on allait jusqu'à 22h. Maintenant... pense au temps, sinon tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Voilà, donc ça a Vitry. Hein. Voilà, donc tout va bien par la grâce de Dieu. Ici, c'est des salles, c'est le coin des salles. Hein. Ça n'appartient pas à prophète Crasso. Hein. Ça appartient à la voici, la grande dame.
Moi, j'appelle la grande dame, plein de lumière. On essaie. Voilà. Il y a toutes les religions, il y a tout le monde ici. Voilà. Tu sais bien gérer les choses, hein, Jocelyne. Non, mais bon, je pense qu'on est quand même normalement dans une civilisation qui doit aller vers l'amour, donc la tolérance de chacun des religions, même si on n'est pas toujours d'accord avec la manière où ils pratiquent, mais du moment qu'ils pratiquent, c'est le principal. On a des musulmans. Ici, il y a des musulmans, tout ça. Nous, on a notre salle à nous, mais c'est des salles qu'on occupe quand on a le temps. Après, d'autres personnes viennent occuper. Donc, tous les dimanches, nous sommes là. Et vendredi aussi. Également, si nous sommes là tous les vendredis, les cultes. J'ai mon garde-corps. Ah oui, mon garde-corps. Regarde. Ils m'ont emmené ça. Waouh! Il est là depuis quand, ce monsieur? Bonjour, monsieur. Ils m'ont dit, on te met un garde-corps. Le garde-corps, ça va, monsieur? Malheureusement, on ne parlait pas. Ils m'ont fait une farce et tout le monde a peur. L'effrayant, lui. Ils l'ont trouvé. Et qui t'a fait ça? Ouais, c'est l'église qui m'ont dit. Je ne sais pas où ils ont. Voilà, donc je suis avec Jocelyne dans son bureau aussi. Pour dire que tout va bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes là tous les dimanches ici, à Vitry, c'est ça, non? Tous les dimanches. Depuis un an, l'église n'a jamais été fermée. Depuis un an. Juste, j'ai eu une retraite spirituelle. Je suis de retour. Dimanche passé, j'étais là. Voilà, ça fait plus de deux à trois dimanches. Et ce dimanche, j'y serai par la grâce de Dieu. Tout va bien. Voilà, je précise très bien, tout va bien. Et s'il vous plaît aussi, pour les salles de mariage, comme je disais. Ça vit ici, hein. C'est à 64... Avenue du groupe Manouchian. Avenue du groupe Manouchian. 94 400 Vitry. Voilà. C'est comme ça. Allez, bon, excellent week-end à chacun d'entre vous. J'ai laissé Jocelyne chercher son argent. Et moi, j'allais déjeuner. Alors, shalom, que Dieu bénisse. Excellent week-end.